Est-ce qu'il y a une dépendance Kylian Mbappé en équipe de France? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo ici, nous on parle de foot ici, nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est on est parti. Alors, les amis, est-ce qu'il y a une dépendance en équipe de France? Est-ce que l'équipe de France dépend cruellement de Kylian Mbappé? Est-ce que ça dépend des clients, les amis? Donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, je pense que, comme l'Argentine, comme le Brésil qui dépend de Neymar, l'Argentine dépend de Messi, il fut un temps, l'équipe de France dépendait de Zidane. Je trouve que quasiment tous les clubs dépendent au moins d'un joueur. Tous les clubs. Donc, moi, ça ne me choque pas de voir l'équipe de France dépendre des clients. Tous les grands clubs le font. Le Portugal, il fut un temps, il dépendait de Cristiano Ronaldo. Donc, pour moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Mais il faudra juste que des gens puissent trouver des alternatives au cas où Kylian peut-être se blesse ou bien, je ne sais pas trop. Bref, il doit trouver une alternative à Kylian. Au cas où, on ne sait jamais. Sinon, dans l'ensemble, quasiment tous les grands clubs, toutes les grandes équipes, dépendent d'un jour. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.